Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de Shadow of War. On continue, on est assiégé. Hein, vous connaissez la chanson si vous avez regardé l'épisode précédent. C'est chiant. On a déjà survécu à 3 sièges, on enchaîne sur le quatrième. On revient à Nurnen, on a déjà été assiégé. Ben. 3 fois, hein? Une fois quand Bruce était encore là, une fois dans l'épisode d'avant, et puis une nouvelle fois maintenant, finalement. Ils aiment trop cette forteresse. Mais bon. Pas de problème. Par contre, la question c'est, est-ce que j'ai des défenseurs qui sont morts lors du premier siège dans l'épisode précédent? Je ne sais plus du tout. On va voir maintenant. Et ben j'ai pas l'impression. Par contre, est-ce que j'ai des upgrades à faire? Genre, là, le gars niveau 15, là. Possible ça. Voilà, genre un troll niveau 40, c'est quand même bien mieux, non? Ou ça? Et parce que vu que quand on s'était fait, bah, quand on s'est fait assiéger, on a recruté des connards qui n'avaient rien à faire là, ils n'ont pas peur des mots. 31 et je peux le remplacer, ouais, je le remplacer par écoulé fier. Voilà, et puis mine de feu. Le groupe d'attaque est niveau 407, on est niveau 480. Sur le papier, cette défense va être une formalité. C'est un combat au long cours, mais grâce à ton sacrifice, la terre du milieu survivra. Eh merci. Cette forteresse appartient aux orques, pas aux vermines qui s'amusent à la guerre. Il est malade lui. Je crois que je m'amuse. Voilà, ouais. Aïe. Allez. C'est un piège. J'avais même pas vu les gros deux sièges sur le côté, putain, putain. Hop. Je conquerrai pour toi. Ma vie est tienne. Commence par défendre. Éloignez-vous.
Ah! Je l'avais même pas vu, lui. Ouais, parle pas, toi. Voilà, mortellement brûlé. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas franchi l'enceinte encore, contrairement au siège précédent qui était beaucoup plus galère. Ouais. Jamais vu. Ok, mais de 3, hein. Enfin et de plus, mais... Mais lui. Ah mais ils ont même pas franchi les murs. Tente de sauver le gars qui est en grande souffrance là. De toute façon les méchants sont même pas rentrés à la base donc on peut tenter hein. Voilà. Seigneur de lumière, je n'oublierai pas ton geste. Je sais même pas de quoi il est mort lui. Ma défense est trop forte en fait. T'es un peu nul, mais je t'emmène. Dis-moi qui ouvrira en deux. Qui tu veux, lâche-toi. Je vais équiper tout ce qui te fasse. Ils m'ont montré ça. C'est des malades. T'es rentré un peu vite, toi. J'aurais pouvoir les nommer pour réparer ma porte. Des trucs comme ça. Toi, t'es mort. C'était pas... Pas le sang. Allez, t'es mort. Tribu fauve dresseur. Tout le monde est capturé. La défense est un succès. Même si ma porte est pétée.
La vache. Ça en fait de l'XP. Oui, région défendue pour la 20e fois. Je faiblis au fil des années passées avec l'anneau des Isildur, mais ma mission est inchangée. Dans la fuite des années, en train de parler comme si ça faisait 20 ans qu'on était en train de défendre les forteresses. Alors que, en vrai... Oui, c'est long. 4 défenses. Ça, je l'avais pas, hein. C'est donc une nouvelle. Pas chéché. Mine de rien, petit à petit, on récupère un peu toutes les tenues, hein. Tant qu'en fait, il fallait juste tuer des légendaires. Un max de légendaires. Voilà, on met des points d'aptitude dans les trucs dans random. Oui, c'est vrai, la temporalité est plus tirée. Après, je voyage beaucoup aussi. Hein. Je passe d'un point à un autre, à un autre. Allez, on va faire le siège de Gorgoroth pour la première fois. Enfin, le contre-siège, la défense plutôt. Et c'est peut-être le dernier siège. Après, je sais pas trop si c'est pas la fin. Hein. Allez, on tombe bien dessus là, on s'applique. On vise. Ouah, purée, il me manquait 3 mètres. Ah, là c'est une défense un peu plus solide. Que dont on a besoin. Là, ça va être costaud l'attaque, hein. Faut être prêt psychologiquement. Très bien. T'es validé. T'es validé. ...64, t'es pas épique, mais... Ouah, t'es validé, de ouf. Ouais, j'ai recruté Bruce à nouveau, les potes. Je vous ai pas dit, mais... Il me faisait de la peine. Bon, on peut mettre lui, hein. Et en vrai, on peut même remonter là. Niveau 37, je suis pas hyper convaincu. Hein. Je préfère mettre Zugor. Hein. Par exemple, au début de la communauté de l'anneau, entre le moment où Gandalf part de la communauté pour s'enseigner sur l'anneau et quand il revient, il se passe une bonne quinzaine d'années. Oui, j'avais lu ça aussi. Mais je pense que. Je pense que le. Là, c'est le film s'affranchit quand même pas mal de ça. S'ils te disent que c'est 2 semaines, c'est que c'est ok, tu vois. Pète de siège toxique. Allez, on passe en mode toxicité, là. Alors, les gars! Je suis même pas sûr que ce soit des ellipses dans le film. Je pense vraiment que dans le film, il te fait penser... Il laisse ouvert le fait que... Qu'en vrai, ça pourrait être une semaine et que ce serait ok, quoi, tu vois. Ou même 2 mois. Quiconque n'a pas lu les bouquins, ne connaît pas l'or, se dit c'est 2 semaines et c'est ok, quoi. Ils sont détenus, mais pas vaincus. Je vais me
t'assurer que tu perds de la vie, mais aussi ta forteresse. Ma dernière défense, les potes. Adieu au Mordor. Faut pas que je le rate. Oui. Allez, on tire. Et on va tirer sur l'autre. Ou pas. Bon. Pas du tout périmètre franchi. C'est un mythe. Bah le mien aussi. C'était carrément mon cas. Je vais se gérer devant la porte hein. Vous êtes beau, vous êtes grand. Quelque chose à foutre. Ça fait depuis tellement longtemps que j'attends ce moment. On va passer un très bon moment quand on va découvrir de quelle couleur sont tes tripes. Oh! C'est moi qui ai fait ça ? Pas fait exprès. L'honneur a enfin sonné. Non, correction, c'est la tienne. Quelle casse-couille ! Fais pas ça, toi. J'ai roulé, je jure, j'ai roulé ! What? Putain, c'est de la lave. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Mais quoi? Mais... Bien joué, Norouk. Je crois en toi. T'es mon meilleur recrutement. Vas-y, mais en fait, c'est les araignées. Très bien, Norouk. Continue comme ça, Norouk. Ouais mais... On prendra ce fort pour le Seigneur des Ténèbres.
C'est trop dur! En galère. C'est quoi cet enfer là? C'est les araignées qui me baissent, les araignées me baissent de ouf! Tu t'es bien battu, Norouk! Je vous jure, c'est les araignées qui gagnent le combat. Je n'en peux plus. Désolé, je suis allé trop tard, mais... Je vais crever ici, moi, hein. J'ai réussi. On va essayer, hein. Ok, il se passe des choses. Ok, un nouveau recrutement. Désormais, à tes ordres. Pour le Seigneur de Lumière, en avant!
Il aura tenté. On respire un peu. C'est les araignées, c'est les araignées, c'est les araignées, c'est les araignées de merde. Ok. Ok. On survit, hein. Ah, j'aurais bien aimé le tuer. Je suis un peu dégueu. Je pensais que c'était perdu, hein. Mur, cap. Talion s'évertua des années à repousser les ténèbres. Je fis ça pendant des années, la vache. Seulement, l'anneau de Sauron était doué de volonté. C'est terminé. Tous les deux. Nous allons nous emparer de la terre du milieu. Talion finit par céder et rejoignit les neufs. Dans les années qui suivirent, l'anneau unique fut trouvé. Et le nouveau Nazgûl se rendit dans la comté avec ses frères, en quête du porteur de l'anneau. Hé hé ! Donc Isildur n'est pas un Nazgûl, enfin Isildur n'est plus un Nazgûl. Après une très longue guerre, la lumière perça enfin. Une nouvelle communauté. Et un héros insolite. La mort vint. La mort de Sauron. La mort de son empire. Et la mort de Talion. Qui quitta les ténèbres. Pour trouver la liberté.
Ouais, non, non, c'est vraiment stylé. J'aime bien la musique. Bah alors c'est qui tous ces gens? J'adore la musique, j'aime beaucoup la musique, c'est tout à fait mon style de musique. Voilà. Si vous posez la question. J'ai une petite larme à l'œil à la fin, j'avoue tout. C'est un peu dommage de finir sur 5 sièges à la con into une cinématique plutôt que une lutte réelle de Talion pour son contrôle et finalement céder. Un truc un peu plus scénarisé, un peu plus mission quoi. Mais c'était quand même très stylé. Et comme a très bien dit Kig, le fait qu'ils intègrent ça à la fin des films. Si on devait révéler une incohérence, ce serait l'overpower et la vision d'Arachné sur le long terme et quelque part son inutilité dans les films du Seigneur des Anneaux. En fait, soit elle a fait tout ça pour que l'anneau soit détruit et que Sauron soit détruit, mais dans ce cas-là, pourquoi elle s'oppose à Frodon et à Sam? Elle devrait le sentir, le pouvoir de l'anneau, elle devrait savoir qu'il est là, l'anneau. Parce que c'est ça le but d'Arachné. Ah bah oui, je pense. Arachné, son taf, c'est... Elle dit à Talion à quoi... Qu'est-ce que t'es prêt à abandonner pour donner du temps à l'humanité de se préparer, en gros. C'est plus ou moins ça qui se passe. Et Talion, il choisit d'abandonner son humanité, devient un Nazgûl. Et gagner des années de défense du Mordor. Ce qui est stylé en termes de scénario quand t'es pas au courant, etc. Donc du coup tu peux penser qu'Arachné se dit ok, il gagne du temps, donc le projet c'est que pour mettre fin à Sauron. Mais du coup, voilà, elle a un pouvoir, elle a une vision, elle a même une puissance en termes de combat par rapport à Celebrimbor et Talion, qui n'est pas très cohérent par rapport au moment et en termes de puissance et en termes d'histoire par rapport au moment où elle croise Sam et Frodon, je trouve. Sinon, le reste s'attaque très bien dans l'univers. Ça aura fait du monde, hein. En même temps, pour un jeu de 135 gigas, tu m'étonnes. Pas beaucoup de juniors. Il doit y en avoir énormément de monde en QA.
Globalement, le jeu est clean, hein. J'ai eu un seul bug. C'est quand je suis resté coincé dans un mur. J'ai eu un bug de loading. À un moment, en montant, je me suis retrouvé bloqué dans un mur. Mais sinon, à part ça, c'était très clean. C'est vrai, bien vu, si ça fait des années qu'elle est en araignée, c'est qu'elle a plus d'instinct humain et qu'elle s'est un peu laissée à sa forme araignée. Dommage qu'on me remonte les mêmes artworks en boucle derrière. Ce n'est pas sans nous faire penser à un certain jeu médiéval fantastique auquel nous avons pu jouer plus tôt dans notre vie. Warcraft 3, Warcraft. Tout. En espérant quand même que ce soit beaucoup moins long. Pardon pour ça. C'est féroce. Voilà, du coup, je pense que je serai pas à 100%. Alors, il y a un DLC où j'incarne El Tariel, c'est l'assassine envoyée par Galadriel. Et un DLC où on incarne Baranor, qui est le soldat du Gondor, amoureux d'Idril. Bien qu'elle ait l'air chiante comme la mort. Si vous voulez mon avis. Mon petit chat qui va dormir. Prediction Babies. Ah, ça ressemble à la fin. Pardon pour cette souris qui apparaît au milieu. Fuck. Qu'est-ce qu'on regarde là? Je crois que c'est les deux in memory off, mais j'en suis même pas sûr. Je me laisse porter par le truc. Je crois que la deuxième personne était une femme, la première était pas une femme. De toute façon, je sais pas, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on regarde là, les potes? C'est hyper bizarre. Seuls ceux qui sont allés à la fin du générique ont pu voir cette scène. Je sais même pas qui c'est, y'a même pas de contexte, y'a même pas de blaze.
C'est Ed Sheeran. Je rigole. Un des mecs du générique qui est en fin pour le jeu, ou un gars, ou un troll de développeur qui s'est dit « Personne n'ira jamais jusqu'à la fin des crédits si je mettais ça pour faire de la pub à mon groupe de musique. » Malin, non ? Personne ne va jamais au bout des génériques. Enfin, des crédits. Es-tu, mec? J'espère qu'il y aura un message à la fin pour nous expliquer. Shadow of War, Mordor, donc c'est un gars qui a bossé dessus. Shadow of Mordor, évidemment. Oui, t'es pas seul, c'est vrai. C'est pas un orc, je crois que c'est... Alors, j'ai eu le doute à cause de ses dents. Mais je pense que c'est plutôt un homme, hein. Ah ouais, t'as raison. Les oreilles aussi, ouais, t'as raison, c'est un orc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'était bien un hommage de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Non mais c'est bon Ah, je peux faire ça. Voilà, si vous voulez voir tous ces gens, vous mettrez des petites pauses. Hop. FXville. Beaucoup de monde dans les artistes. Respect leur travail. En plus, il y a les mêmes artworks qu'en font encore. Non, non, c'est trop. Tracker. Caractère art, beaucoup de 2D, de 3D artistes, c'est vrai que ça, pour le caractère art en vrai c'était très 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 stylé ce que vous avez fait, bravo, surtout pour les orcs, évidemment. Hop hop hop. Beaucoup de monde en animation, en FX, en 3D, beaucoup de monde sur ce jeu. Énormément de monde sur ce jeu, disais-je. Storyboard, QA, non mais le QA, vous êtes plein. Montréal, qu'on embrasse. Bisous à Christo. C'est ouf, hein, c'est un vrai retour de Warcraft 3 là par contre. Boah, le QA. Vous avancerez un point en 0,25 si vous voulez voir tous ces gens. Oh, le QA. La localisation. Oh, le QA. Les gens pour les traductions. Très stylé, tout ce monde. Les voix françaises. Oh non, oh et oh. Les voilà, espagnoles, brésiliennes, japonaises.
Quelque part, heureusement qu'ils ont fait la transition avec le In Memory, sinon ce serait vraiment tout tapé tout ça, quoi. J'étais parti pour juste regarder. Les petites notes. Votre âme appartient au diable. Qu'est-ce que c'est que ça, mais... Ça, c'est Warcraft, hein. Il y a que dans Warcraft que j'avais vu ça aussi, hein. Le contrat, là, à la fin. Non, mais c'est trop, Mais qui lit ça? Oh! Non, non, c'est fini, mec. La route se poursuit. Enfin, vous avez terminé l'histoire de la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Poursuivez le combat en bâtissant les plus imprenables des forteresses, en améliorant votre rang, sur les ventes en ligne. Et il y a aussi la lame de Gadriel et la désolation du Mordor. Cela étant dit... Il y a un petit problème. Qui est que ça c'est à 100. Mais que ça c'est à 98. Alors que j'ai fait terminer toutes les fosses. Et ça c'est tous les objets bleus que j'ai pas. Mais en même temps regardez les objets bleus. Je vous montrerai rapidement comment les obtenir si vous n'avez pas vu dans un épisode précédent. Bon. Pardon, c'est psychologique, je suis un grand malade. Je sais. Il faut que j'enlève tout ça. Armure du serviteur. Armure noire de servant. Oh, j'en ai une nouvelle. Qui est pas tout à fait la même, mais un peu quand même. Masque du chevalier, masque du général, masque d'impératrice, masque du haut roi. Bah j'en ai trop, pas possible ça. Étreinte des ténèbres. Ah. Détruire. En fait, si je peux détruire, c'est que je l'ai déjà. Exemple lui. Bah je suis un troll, je l'ai pas. J'en ai détruit deux que j'avais. Ah, ah. De toute façon j'ai prévu de pas les prendre. Bref. Donc oui je disais, si je veux récupérer tous les objets de set, etc. En gros, là, si on prend par exemple la tribu des ténèbres, il faut que, pour obtenir l'épée, je trouve un gars qui soit un tueur ou destructeur des ténèbres en légendaire. En fait, c'est juste tellement spécifique et tellement random que juste il faut que je me promène en croisant des légendaires, vendant des vendettas ou ailleurs. Et c'est trop long, c'est pas possible. Hein. Donc du coup, non, je ne platinerai pas ce jeu. J'ai 9 points de compétence, la vache. Je suis comme ça, moi. Donc voilà, ça va s'arrêter ici. YouTube, c'est la fin de l'aventure Shadow of War avec Talion. On peut être très très fiers de nous. Bravo. Et on se retrouve très prochainement pour les DLC. Donc on peut aller voir très vite avant de clore. Il me semble que c'est d'abord la lame de Galadriel. Voilà. La lame de Galadriel, puis après la désolation du Mordor. On fera ça la prochaine fois. 99%, ça fout un peu le seum. Je pense que c'est vraiment juste à cause du truc qui manque, je sais pas pourquoi, dans les fosses, là. Mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Allez, bisous YouTube. Ciao, ciao.